Et salut à tous, ici Jax, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dark Souls, un mini-épisode, vous avez l'habitude maintenant, puisqu'on va se consacrer au boss de la zone des routes des sacrifices, qui est un boss, donc comme j'avais dit dans la précédente vidéo, qui est un boss basé sur la sorcellerie, puisque c'est un sorcier, forcément. Et du coup, eh bien, on va voir. Alors, je vais regarder si j'ai pas des anneaux qui pourraient me protéger un petit peu de la sorcellerie, mais à ce stade du jeu, je crois pas. Je crois que je n'ai pas de. Non, j'ai pas. Donc, ce qui va être. Alors, il est très sensible aux dégâts physiques, si je ne dis pas de bêtises. Donc, avec notre grand marteau, ça devrait le faire. Par contre, il fait extrêmement mal. Donc. Ah, ça, le sage de cristal. Ah, déjà, vous voyez. Par contre, il est un petit peu particulier, puisqu'il a des phases où il se multiplie, il a des phases où il envoie des sorts à distance. Font très mal. Hop, ok. Où ils envoient carrément un Kamehameha en pleine gueule. Il est. Ah, ça dépend. Des fois, autant des fois, vous allez le one shot vraiment. Enfin, pas le one shot, mais le first try entre guillemets. Mais des fois, vous allez un peu galérer hein, parce qu'il est. S'il vous envoie les bonnes attaques au bon moment, il est redoutable. Mais après, bon voilà, comme je disais, il est très sensible aux dégâts. Voilà, il va se multiplier. Tous ceux qui font de la lumière bleue sont des fakes, mais c'est bien de les tuer quand même. Puisque bah, eux par contre font quand même des dégâts forcément. Mais par contre. Voilà. Si vous avez du coup le bon le bon timing et que vous avez un peu de chance avec genre un gros marteau comme celui-là, bah ça va, ça va, ça va. Par contre, si vous jouez mage, pour le coup, ça craint, je pense. J'ai jamais joué mage dans Dark Souls, enfin pas dans le 3 en tout cas. Franchement, ça doit craindre contre lui. Je sais, enfin, à part les dégâts physiques, je sais pas trop à quoi il peut être sensible ce trou du cul. Mais du coup, voilà, c'était du coup la petite vidéo. Pour ça, est-ce que. Oh, vas-y, je vais pas vous laisser là-dessus. Ça va faire quoi? Je vais faire une vidéo de 3 minutes. Non, ça craint, ça craint. On va aller un petit peu plus loin. Je vais pas faire un épisode entier comme on a l'habitude. Hop, voilà. On va continuer un petit peu jusqu'au prochain feu de camp. Allez, jusqu'au prochain feu de camp. Comme ça, on se fait une. On passe un petit peu de temps ensemble, tranquille, à jouer un petit peu à Dark Souls. Alors. Là, on a donc. Ben, vous vous souvenez de ces mobs-là. Et là, normalement, ils sont censés être deux. Ouais, c'est ça. Ils sont deux. Donc, il faut tuer les mecs avec les cages. Dans un premier temps. Bon, il m'a déjà vu, lui. Putain. Et ensuite, s'occuper de l'espèce de sorcière. Non. Ah. Allez, coco. Ok, moins un, c'est déjà ça. Il est trop fort, hein, les gars, le marteau, hein, je vous l'avais dit. Hein. Il est beaucoup trop fort. On le remet trop aux 4 coups, c'est fini. Alors là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est qu'on peut se laisser tomber ici. Le but, c'est pas de courir, on va marcher derrière elle pour essayer de la backstab. J'ai bien dit essayer parce que je me fail une fois sur deux sur elle. Donc, ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Elle a déjà plus de vie. Oh là là. Mais non, mais j'ai presque de la peine pour elle. Mais non, mais non, mais non. Essaie même pas de me faire un sort de feu, toi. Ah, on chope l'armure du héros ici. Ok. Je m'en souvenais pas de ça. On va continuer un petit peu. Puisqu'évidemment, ce feu de camp ne compte pas. Ha ha ha. Et du coup, eh bien, on va. Je crois que le feu de camp est pas ultra loin non plus, mais. Il est là.
Il est là. Allez, on va terminer ce chemin. C'est la fin de la route des sacrifices, donc on va le terminer. C'est pas bien long en soi, mais. Oui. Vous voyez du coup lui qui a l'armure également du chevalier furtif. Et en fait, on récupère les cendres du paladin qu'on pourra donner à la vieille femme dans le sanctuaire de l'Lichefeu. Et en fait, en lui donnant ça, elle débloquera en fait de nouveaux items qu'elle pourra nous vendre. Alors, il me semble qu'il y a un chemin dans le coin là. Si je dis pas de bêtises. Alors, je sais plus trop où il nous amène. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Ah ben voilà, hop, ok. Alors on tombe sur lui du coup. Après qu'on peut sauter le. Oh là là, incroyable. T'essaies de faire quoi là mon grand? Tu pourras pas faire grand chose contre moi. Je commence à devenir un petit peu puissant. Ben ouais mec. Regarde le marteau que je manie. Tu ne peux rien faire. Le marteau que je manie dans l'âge de glace, manie. Ok, bon, c'est bon, j'arrête là pour les blagues parce que. Déjà dans mon entourage, ils ont du mal. Ah, les meilleures blagues sont pas forcément ici, mais. Ouf, ils sont un petit peu gros ces toutous là. Voilà, c'est le coup du désavantage du marteau, c'est que vous, du coup, forcément, vous êtes extrêmement lent. Hop, on peut se protéger avec le marteau, mais bon, on subit toujours un peu de dégâts. Oh merde! J'aime un petit peu mal évaluer la distance. Ok. Mais après, un petit peu plus tard, quand on augmentera nos statistiques pour augmenter le poids qu'on peut porter. Putain, il m'a déjà vu, lui, sans déconner. What? Je rêve ou il vient de pop là? Ah ouais, non, il a vraiment pop devant moi. On pourra porter forcément un bouclier et le marteau. Donc c'est pas grave. Bah, après là, c'est le début du jeu, hein. Faut bien qu'il y ait pas mal d'inconvénients, mine de rien. Et on va rencontrer les kamikazes du coup pour la première fois. Et nous, par contre, on va. Ah, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Et autant vous dire que eux, s'ils explosent à côté de vous, c'est la merde. Hop. Ici vous retrouvez un fragment d'astuce, ce qui est bah, toujours bien forcément. Et donc on va avoir accès à la cathédrale des profondeurs, en tout cas au premier feu de camp de la cathédrale des profondeurs, pardon. Allez, on va aller au sanctuaire de l'Lichefeu, on va aller augmenter un petit peu de niveau pour le coup. Voilà, au moins c'était voilà, on a terminé la route des sacrifices. Plutôt que de terminer, enfin de terminer la vidéo pardon, juste sur le boss où c'est bon, c'est un peu ridicule. Ça fait une vidéo de 2 minutes. Donc bon, c'est un peu con. Au moins là, on a vraiment fini toute la route des sacrifices et on est enfin arriver du coup à la fameuse cathédrale des profondeurs qui est une zone que j'aime énormément parce qu'elle est magnifique. C'est une zone, c'est. De toute façon, vous verrez, elle est trop belle, elle est trop bien détaillée, vraiment. Et du coup, vous voyez que la vieille femme nous vend, si vous n'avez pas fait le lien, de l'armure de l'exilé qui est du coup en fait l'armure qu'utilisaient, vous savez, les deux mobs dans la route des sacrifices, si vous vous souvenez.
eh bien elles nous vendent leur armure. Avec la, je parle des deux mobs, avec notamment un avec l'assommoir et l'autre avec l'espèce de gros espadon. Et donc du coup voilà, le catalogue en Ah, gros j'aime c'est un beaucoup. petit peu c'est un petit peu. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Heaven. Heaven. D'accord. Allez, on a 18 000. Hop. Elle est où? Elle est là. Welcome home, sweet. Very then hey. Voilà, comme ça on va pouvoir augmenter un peu le niveau. Alors qu'est-ce qu'on peut augmenter? On peut commencer alors. Eh bien, augmenter peut-être un peu la vigueur. J'ai que deux niveaux augmentés. La vigueur, du coup, c'est ce qui augmente du coup la charge d'équipement. Donc ça nous permettra de porter plus de choses. Est-ce qu'on tente ça? Est-ce qu'on tente. En endurance, ça va. On se débrouille pour le moment. Ce sera par contre peut-être un peu pour plus tard où il faudra l'augmenter. Là, je pense qu'on peut augmenter un peu la vigueur pour porter plus de choses. Après, tout en sachant que, bah, mine de rien, on a équipé le bouclier. Pour le moment, le bouclier, il nous est pas vraiment d'une grande utilité, hein. Donc, on va l'enlever, puisqu'on s'en sert pas, puisqu'on a l'arme à deux mains. Donc, je me dis, peut-être autre chose à faire, si je pourrais. Chevalier fugitif, on est en 63-7. 71-8, fait chier. Qu'est-ce qu'on pourrait porter là, qui pourrait être utile? 72, ok. On va pas avoir des. Ouais, on va pas avoir une super armure. Hein. Ça va être ouf là pour le moment. Écoutez, on va mettre ça, je pense. Hein. Ou alors, si je dégage les gants, est-ce que je peux minimum mettre le casque? Oui, je peux mettre le casque. Et à la limite, on met des gants pas chers. Pas chers, oui, enfin, vous m'avez compris quoi. Gants du mercenaire, ils font 1,4. Là, c'est à peu près tout, hein, tout ce qu'on peut mettre. Bon, écoutez, on va garder ça. Au moins, on a gardé notre casque. Bon, bref, en attendant, j'espère que ce mini-épisode vous aura plu tout de même. Et puis, bah, nous, on va se retrouver un petit peu plus tard. Puisque dans la prochaine vidéo, on attaque la cathédrale des profondeurs qui est une zone magnifique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.